Salut à tous. Du coup, vidéo pratique sur la distribution de Palmon. Hop. Donc on repart du tout début, comme d'hab. Hop. Tac. Tac. Du coup. Oups. Il faut que je reprenne le PPT derrière pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut. On est reparti. Du coup, on va commencer par. Récupérer enfin l'œuf à pois rose et ensuite Palmon. Tac, les objets pour avoir la bouffe. La bouffe pour avoir la bouffe, accessoirement. 3 gigots. Non, je suis coincé. C'est bon, je suis libéré. Et on va se. Suicider. Enfin, d'abord, faut qu'on batte Agumon quand même. Pour protéger nos gigots. C'est bon, on l'a battu. Allons protéger les gigots. Tac, tac, tac. Gigot. Bon, on va tout mettre. Hein. Comme ça nous libère l'espace. Tac. Et on se suicide. Pas de digichampi, dommage. Évidemment, on a gagné, sinon c'est trop simple. Allez, première mort. Enfin, s'il y arrive, ça peut l'air gagné. Yes, parfait. On fonce pour la deuxième mort. Oh, on s'est pris un petit iceberg, ça fait plaisir. Parfait, deuxième mort. On n'a pas trouvé un seul digichampi. Dommage. On se prépare à sauvegarder pour la troisième mort. J'aurais peut-être dû sauvegarder là. Non, ça va. Oui, on le défonce. Ok. Bon, ça c'est bon. On sort, on rentre. On sauvegarde. Et on essaie de mourir. Ce qui a pas l'air d'être gagné. Ouais, non, c'est pas gagné. Ok. Il y avait un digichampi. Tant pis. Tue-moi! Oh. Oh. Deux icebergs qui ratent. Je crois que c'est fichu. Allez hop, on fuit. Allez, œuf rose, ce serait parfait. First try, non. Ah non, mais s'il te plaît, tue-moi par contre. Voilà. F rose. Ok. Non.
Non, pas de digichampi. Oui, on y est. Hop, on va récupérer la viande. Et du coup là, il faut qu'on fasse vitesse et intelligence. Sachant que l'intelligence, on n'en aura besoin que pour Wamon. On va faire plutôt la vitesse. Je suis pas devant, mince, j'arrive pas à relancer. Oh oh. J'aime pas quand ils sont bébés et qu'ils ont tout ça, c'est trop. C'est bon, j'ai réussi à tout faire. Mais c'est un morphal ce Yoramon! Ça se trouve, ça sert à rien de les nourrir en mode entraînement. Faudrait vraiment que je fasse ce test, ça m'intrigue. Et... j'ai envie de savoir. Non, toilette. J'ai failli pas le voir. Et c'est le dernier gigot, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Et on a Palmon, parfait. Ça c'est déjà ça. Tac, on va aller chercher les gigots déjà et on va réfléchir. Donc je pense qu'on va commencer par Kuagamon parce que c'est le plus chiant. Donc Kuagamon, il faut. Enfin déjà je vais faire une sauvegarde rapide. Hop. Je vais même en faire une deuxième. Là c'est bon, j'ai deux sauvegardes rapides, ouais. Ok. Donc PVPM, offense et vitesse. Il y a quelques stats à monter là. On va commencer par la vitesse vu qu'on l'a déjà. Ensuite on fera PV qui fait de l'offensivité en rab et PM en... on fera l'offensivité forcément après les PV. Par contre, si j'ai à manger, ouais, je viens d'aller en chercher. Ah, ça fait de l'offensivité. Et on est hors de soins, c'est 5 ou plus, donc ça on s'en fiche. Donc je vais pas le nourrir du tout en fait. Et j'irai chercher de quoi le... ok, c'est déjà une bonne chose. On peut spammer. Merde, il y a... il est bon, il veut dormir. Ça fait de la vélocité, j'aurais dû le faire avant la vélocité. Voilà. Ça prend du temps hein, de l'entraîner. Surtout qu'il faut que les PV soient bien au-dessus, donc
Ouais, je perds une heure à chaque fois à faire ça. Ok. Jour 5 déjà, c'est le dernier jour. Oh, la vélocité est trop haute. Faut que je monte encore. C'est bon. Allez, maintenant il me faut du poids. C'est là qu'il faut se méfier. Je vais faire une sauvegarde rapide maintenant. Enfin, après le champi, du coup. D'ailleurs, j'ai pas été chercher Gigot, c'est vraiment débile. C'est pas mal, hein. Je crois que j'ai raté au moins une ou deux journées de Gigot. On va faire 100, hein. Parce que là, les stats, on est bon. 5 erreurs de soins ou plus, on est bon. Ah non, par contre, perd pas de stats, hein. Je verrai ça à la fin. Ça se trouve, je vais falloir que je refasse un entraînement de PM. Il a plu. Ouais. 100, 115, 1200, 1000. C'est bon. On a perdu 18 PM. Ça va. On est à combien? Oula, 8 sur 25. Enfin, 24 du coup. Je peux en avoir 3. Donc, ça veut dire qu'on est à 11. Douze. Treize. Quatorze. Putain, ça m'énerve ça. Quatorze. 15, 16, 17, 18. Dix-neuf, vingt, vingt et un, vingt-deux, vingt-trois. 24, 25. Ok, on est bon. Oups. Ok, on va chercher. Tac. Je viens de faire une sauvegarde rapide. Je vais en faire une là en fait. Hop. On va voir si je peux dormir. Récupérer les gigots et le gaver, ou si j'ai pas le temps. Sinon, faudra que je gave avant, mais je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut du coup. Ah non, j'ai pas eu le temps. C'est pas bon. Ah, Vegemon, c'était sûr. Donc, je reprends la sauvegarde. Non! Ah, c'est pas possible. On va essayer sans l'accélérer pour voir si j'arrive à...
Qu'est-ce qui va aller se foutre de l'autre côté là? Il me fait perdre du temps. Parce que là, pour le coup, l'humeur n'est pas à 50%, donc faut que j'arrive à dépasser les 15 kilos. Et je devrais plus avoir de risque d'avoir Végémon. Là, je fais combien? 8, 9. Onze. Douze. Ah non. Treize. Ah non, mais s'il veut pas. Je sais combien, 12, c'est ça? Ouais. 13. 14. 15. Ok, c'est bon, plus qu'un, et normalement. Enfin, sauf s'il lâche sa petite crotte là, qui du coup anéantirait tous mes espoirs. Donc il faut arriver à lui en donner au moins 2 ou 3 avant. L'heure est pas passée encore, on est à 18. 19. Là normalement on n'a personne. Ninjaman, c'est une erreur de soin ou moins, et 5 à 15, on l'a pas non plus. Il m'en manque 5. Il a pas perdu de stats au fait. Non, il a pas encore le papillon, il a les 3, les 4 stats. Une autre petite sauvegarde rapide. On a combien? 24, normalement prochain. Non mais stop. Tu vas obéir, oui? Mange-moi ça. Yes, Digivolution. Et donc là, on a normalement Kuwagamon. Yes. Ouh. Bon, je l'ai fait à l'arrache, hein. Mais bon, ça a fonctionné. J'ai monté les PV en stat la plus élevée, de façon à éviter qu'on ait les 3 autres stats qui soient au-dessus et qu'on ait les PM aussi qui viennent poser problème, vu que Vegemon, il faut que les PM. Donc, et ça s'est bien passé, c'est juste le poids qui a été compliqué et le timing quoi, surtout, ça a été un peu short. Kuwagamon, plante, combat et tonnerre. Donc, je vous conseille pas de le faire à partir de Palmon, c'est la galère, autant prendre Cunemon vu que c'est la condition bonus pour l'avoir, c'est beaucoup plus simple. Virus, donc il peut aller dans le manoir de Mewtismon. Pince cisaille, longue portée 172 de force, c'est plutôt bien, c'est fort. Il peut apprendre la plupart des techniques terre, dont insecte, il me semble, qui est celle-là. Et cette technique vent qui doit être coupe-vent, je crois, ou tornade. Une technique de mid-game qui est plutôt efficace. C'est un Digimon plutôt correct. Voilà, il n'y a pas 35 000 techniques sur le Digimon, mais globalement, on peut faire à peu près tous les niveaux de jeu. L'avoir à peu près quand on veut dans le jeu, il sera utile. Enfin, si on a les techniques qu'il faut. Et du coup, ouais, il a des techniques qui peuvent empoisonner, qui peuvent être très efficaces contre les Digimon qui ont énormément de points de vie.
et qui, par exemple, augmentent leurs stats comme Etemon, Mamemon, ce genre de Digimon. Bien. Du coup, on repart sur Palmon, et cette fois on part sur Vegiemon, qui va être beaucoup plus simple. On se fiche des erreurs de soins, on fait que des PM. Il faut que l'humeur soit au-dessus de 50%. On passe le temps. Hein. Et il faut 5 kilos, donc on aura les 5 kilos. On a combien là? 3. Ouais, bah en gros, oups, j'en ai donné un. Tant pis. En gros, en prenant tous les jours les gigots, on aura ce qu'il faut. Hein. Il veut pas dormir encore. Là, pour le coup, il a des PM. Hein. On est jour 4. Et il y a encore un jour à attendre après. Là, il veut dormir. Donc là, on est à combien? 8. Ouais, bah, c'est parfait. Que la jauge d'humeur soit au-dessus de 50% et on n'a pas besoin de le nourrir. 5 erreurs de soins ou plus. Je monte au max puisqu'il va et ça va redescendre assez vite vu que je le nourris pas et que qu'il fait par terre. Ah, parfait. Ça, je peux en faire, ouais. Pour passer le temps. Donc on le félicite. Et il se digivolve en Vegiemon. Nice. Donc ça c'est bon. Donc Vegiemon. Digimon plante et eau avec un type virus qui permet d'aller dans le manoir de Myotismon. Souffle céleste 132 portée, longue portée, c'est pas terrible. Donc c'est peut-être parce que ça touche. Ben non, sinon il aurait pas écrit Hélène en portée, il aurait écrit partout. Donc non, c'est vraiment assez faible comme technique. En technique poison, il a à peu près tout. Il est comme Kuwagamon, donc il a insecte aussi, donc c'est pas mal. Plus les techniques poison qui sont ici. Et en gel, par contre, c'est pas des techniques terribles. Donc, ouais, il est plutôt faible, Vegiemon. Je le conseille pas. Juste en début de partie. Après, faut passer sur autre chose. Troisième digivolution. Tac. Ninjamon. Donc là, on fait pas d'erreur de soin. PM, off et vitesse. On est à où déjà? Ça va, les PM sont montés. Et vélocité et intel, faut que je fasse attention à pas monter l'intelligence. Même si on monte pas les PV, logiquement ça devrait le faire. Hop, ça c'est fait. Pas d'erreur de soin, à mon avis. Oula, je me suis habitué à spammer là, donc faut que je me méfie. Cra.
C'est vrai qu'il fait que 5 à 15 kilos, Ninja Man, ça va nous aider un peu. Je sais plus si j'avais été chercher. Ouais. Aïe aïe aïe. Ouais, c'était sûr. C'est une erreur de soin ou moins. Hein. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. J'en ai récolté 3 ou 4. Juste de quoi tenir à la fin de la journée. Et après, on ira chercher les gigots. Ah. Oh, il y avait un champi chance. Tant pis. Oula, j'avais retiré le mode rapide. Lâche-moi les basques! Là, je suis à combien? J'en ai un. Pas suffisant, un. Il va vouloir remanger au moins une fois. Voilà, deux. Allez! Rien du tout. Trois. Un dernier et ça suffit. 5. Six, parfait. Non. Oula, je suis passé devant sans. Donc là, tac, donc on vient de faire vitesse et PM, du coup c'est l'offensivité qui me reste à faire. Et du coup, par contre, il faut se méfier des PM, même si on ne fait pas d'erreur de soin. Vu qu'il est heureux, ça va poser problème. Il va falloir que je l'engueule. Il a pas faim du tout. Ouais, c'est pas grave, heureusement que c'est que 5 kilos. Parce qu'avec plus de 15 combats, on va pas les faire, ça c'est sûr. Ça va, on est large. Et du coup, la vélocité, je peux la monter, ouais. Voilà, donc là, on est bien. Les PM sont bien en dessous. Tac tac tac. Donc là maintenant il va falloir que je l'engueule pour qu'il soit en dessous des. Pour qu'il soit pas content. Parce que là il est à combien? Ouais, il est à 1 de poids en plus. Hein. Voilà, c'est bon. Nickel. J'ai été chercher les gigots, il me semble. Ouais, c'est ça. Je suis large. Du coup, on est à 5. Je peux monter, je pense, encore. Pour passer le temps plus vite. Il a toujours pas faim. Eh ben, c'est pas un affamé celui-là.
là, il pèse 2. Et il pèse 6. Donc là, c'est bon. Même s'il a envie d'aller aux toilettes. Tac, digivolution. Ninjamon! Yes! Réussi. Pareil, Ninjamon, je crois que c'est le. On peut l'avoir que via. Que via Palmon. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un des Digimon intéressants à avoir à partir de Palmon. C'est clair. Du coup, voilà, on a monté les PM et on l'a laissé pile à 1000. On a monté l'offensivité et la vélocité au-dessus de 100 aussi, et un peu au-dessus. Et au-dessus du coup des PM surtout, les deux au-dessus des PM, comme ça permettait d'éviter d'avoir Vegimon. On a baissé la jauge d'humeur en dessous de 50%, pareil pour éviter d'avoir la condition bonus de Vegimon. Et on a monté le poids à 5 kg pour qu'il puisse, pour que les conditions d'élevage soient respectées, sans faire d'erreur de soin. Et ça s'est bien passé. Type plante, combat et feu. En type donné, donc c'est pas terrible, ça peut pas aller ni chez Meotismon ni chez Angemon. Loi d'Iga, 150 longue portée, plutôt correct, moyen. Ah non, là c'est pas, c'est poison celui-là, c'est pas insecte. Je sais plus où il est insecte alors. Ah, il faudrait que j'aie la table des techniques à côté de moi quand je fais ça. Ah, et du coup, les deux autres sont pas si fous en fait. Ah ouais, non, dommage. Et ouais, là c'est pareil, les techniques feu sont pas terribles. Je crois que c'est bombe magma et tour de feu. Technique combat dynamite latte. Aïe aïe aïe. Ouais, bon, c'est pas un très bon Digimon pour moi. Début de partie, mid game, mais pas. En fin de partie, c'est vraiment compliqué, quoi. Juste le poison qui est intéressant, quoi, sur lui. Bref, je vais couper là. Je vais enchaîner tout de suite avec la partie 2. Il y a du coup les deux digivolutions qu'il reste, c'est-à-dire Wamon et Coelamon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la partie 2. À tout de suite.